Eh bien bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui sur le château de Dercios, sur Mountain Blade Warband, sur notre campagne, pour que l'on fasse ce fameux siège de la dernière fois. Et nous voulions tout simplement le rejoindre. Donc voilà, on va le faire, on va le faire, on va se battre comme des hommes. On l'espère, en tout cas. Juste voir le commandant, c'est Sir Olaf, le commandant. Ok, bon, tu me fais chier. Et on va rejoindre le prochain assaut. Bien entendu. Hop, petit bug de chargement. Peut-être prendre ça, on va se protéger avec le bouclier. Alors regardez, là il y a un seigneur, il y a un seigneur en première ligne là. Attention, le seigneur il court avec ses grandes deux jambes, il court, il continue, il va essayer d'escalader la muraille. Il va y aller en première ligne, oui, bien sûr, on fait le commentateur sportif parce que c'est stylé. Il va en première ligne, oh là 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 là, c'est incroyable, on n'a jamais vu une telle performance. Il va monter. C'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire et il va arriver au combat, il va arriver au contact, attention, et boum, ah, voilà, il en a déjà tué un, le Sir Turegor. Il s'appelle Sir Turegor. Et il continue son massacre, bien entendu. Sir Knudar est un gros noob, du coup il s'est fait tuer dès le début. Quel handicapé. Putain, par contre, ils sont défoncés. J'espère que c'est pas mes hommes qui meurent. Tout ce que j'espère, en fait. Mais eux, je m'en fous, mais... Moi, je vais tomber de l'échelle, là, comme un con, pour le zander. Non. Putain. Regardez les archers, on va les faire. Oh putain, ils sont défoncés les archers. Ramenez-la. Je crois que c'est la grosse boucherie là. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est la bonne grosse boucherie. Contre-lâche. Attendez, eux, on va laisser les faire. Non mais attendez, c'est pas possible. Putain, j'avais pas vu. Bon, là, je suis tout seul. Pas forcément super rassuré. Oh putain, je me fais défoncer. J'ai le droit au contre-relâche hein, pendant les sièges parce que sinon c'est trop impossible pour l'équipe de gagner. Oh putain, c'est la guerre, c'est la guerre. Jette, ça bastonne un max. Ça bastonne un max. Ah, par contre, moi je suis un petit peu... voilà, je préfère être derrière. Enfin, derrière les unités ennemies, bien sûr. Mais meurt! Putain, il va pas mourir, le mec, il est sérieux, là? Ah, mais c'est un allié! Oh, putain, faut que j'arrête, moi. Wow, je vais me faire défoncer là. Ne me voyez pas, je vais passer derrière vous. Bonjour. Ravi de vous avoir rencontré. Boum. 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 Il y a un trou du cul. Il y a un trou du cul. Je me disais bien qu'il y a un trou du cul. Il y en a là-bas aussi, mais il tire dessus, c'est chiant. J'espère que les archers restent bien en bas. Juste aller là-bas, là, je m'en foutrais. Non, ils sont en train de démonter tout le monde. Ils sont en train de démonter tout le monde. Ils se battent bien, les hommes, ça va. Allez, faudrait se dépêcher un peu là, Marcel. Je sais pas s'il y a un passage là en plus.
Oh putain. Bon. Putain, je vais pouvoir m'améliorer à l'arc. Remonte ta tête, toi. Il tient mieux que moi quand même. Hein. Ah, je tire pas assez haut, bordel. Oh, mais baisse pas ta tête. Oh là là. Oh putain, j'ai chaud. Boum. Je crois qu'on a eu pas mal de pertes. Hein. C'est une supposition, mais je crois. Vu comme ils se sont fait défoncer, on s'est fait défoncer, j'ai peur qu'on ait eu pas mal de pertes. Si on a trop de pertes, je rechargerai la partie et on fera partir. On attendra qu'ils les aient déjà un peu fusillés parce que c'est vrai que là, c'est un peu compliqué à gérer. Ouf. Je suis tout seul, c'est la guerre. Je vais me faire défoncer. Wow. Je vais me casser, je vais me plaquer. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Et prends-le là. Ah non, attendez, je vais me faire défoncer là. Mais tu me le prends là? Ah, j'ai plus d'épée. Oh, j'ai plus d'épée. Oh voilà, je suis mort. Ah, j'ai soufflé dans le micro, ça doit être méchant là. Perdu que des chasseurs nordiques, donc ça va. Ah non non, on a perdu des Oscars. Non, sortir. On va laisser se battre plutôt. On va laisser se battre. Ça me semble être une meilleure option. Donc on va quitter sans se regarder. On va charger une partie. On va hop, tac, voilà. On va les laisser. Allez-y. Battez-vous. Ah ils vont chier, on est en pleine campagne militaire. Ouais. Est-ce qu'on réessaye? On va sortir, on va laisser un peu. Ah, ok, ça marche. Oh bah on l'a pris. Bon bah c'est parfait. Oh putain, les armées se sont fait décimer par contre. Il est où, Cirque-Nudar? Il est là. Il a fini la campagne là? Ah, je suis considéré comme quelqu'un qui a pris le château de oh, je me souviens plus de Derchios, je crois. Voilà, je tire au Ragnar comme ça, je suis un peu mon lèche-cul. Du coup... Alors, le roi Ragnar, il avait plus de 200 personnes, regardez comme il s'est fait défoncer, quoi. Je vais juste aller le voir, voilà, il est content. Ok, supporte lui comme d'hab, ça va pas changer. Hein. Est-ce qu'il a un truc à me confier? Comme d'hab, il n'en a pas. Il n'en a pas, ce gros flemmard. Il en a rien à foutre de moi. Donc on va continuer. Et c'est où le banquet? Je me souviens déjà plus. Attendez, je vais lui demander où est-ce qu'il va. Ça va m'enseigner quelque chose. Voilà, c'est ça. Ok, il va y avoir Sargoth, je pense que c'est à Sargoth, mais je suis pas sûr. Donc on va les suivre. Attendez, il est où Kundar? Il est là.
On va le suivre. Je suis plus loin de Vincent Cludard parce que c'est le maréchal, donc faudrait qu'on y arrive assez rapidement. Je sais pas du tout où c'est alors. C'est qui lui? Ah, t'as échappé à la bataille toi. T'es un survivant toi. Wow, lui va se faire défoncer là. Il va se faire poutrer. Moi je vais être au premier rang. Hein. Défoncer. Bon allez, tac tac tac. On va le faire avancer un peu plus hein. Mieux. Voilà, mieux. Alors, je crois que je contrôle que mes âmes de toute façon. Je suis pas sûr mais... je contrôle que mes hommes, donc les hommes vous restez là bien en retrait tranquille. Et puis nous on va y aller. Oh putain. Il m'a arrêté net lui. Putain, ils sont pas mauvais. Pas mauvais du tout. Gardez-le ce seigneur là. C'est bon, il est mort. Je kiffe trop comme il meurt sur les chevaux, c'est trop stylé. Vraiment super classe. Mais il y en a qui sont dans mes hommes là. Ah, je l'ai fini. Bah c'est bon. Ah non, il reste encore lui. Oh, ça prend pas la gueule. Non mais je veux l'avoir avant qu'il se barre moi. Oh la vache. Ouais, il va se barrer. Il va vouloir se barrer là de toute façon. Non, il veut se battre. Boum, il va mourir. Ils sont encore tous morts. Et ah bah oui, il en reste sans doute là-bas puisque de toute façon ils auraient apparu. Donc on va les finir. Ouais, on va les finir. En tout cas, je vous remercie encore une fois de poster des commentaires et tout ça. Voilà, on les a finis. Normalement, c'est bon. Je vous remercie de nous suivre, en tout cas de me suivre sur cette série, je suis tout seul. Ça fait plaisir. Homme d'armes soit dire. Oh putain, c'est chiant qu'on puisse pas les. Ah, on puisse pas les mettre dans l'armée quoi. Regardez, moi j'en aurais bien besoin. Donc on va aller faire des fantassins soidiens. Miss soidienne. Archer. Fantassin. Ok, parfait. Ok, nickel. Bon, eux, ils ont des trucs de merde. Ouh, joli. L'épée bâtarde. Joli. Putain, mais ils nous louent tout ce monde là en fait. Attendez, on va rien. Dédia. Ok. Tirailleurs, il nous faut plus de tirailleurs. Merde, j'ai fait des tirailleurs soignants. Oh putain, quelle merde. J'étais soignant. Moi je les vire. Hein. Je vire les deux là, tant pis. En béant, est-ce que du... Parce qu'il y a des trucs à... Oula! Il va se faire défoncer là le... Ils vont se faire défoncer. Allez, je viens vous aider. Ça va être le roi en face. Ça va être le roi.
On va aller les aider, hein. On les aide. Par contre, on reste là, vous êtes bien gentils les hommes. Hein. Pour le moment, ils n'ont pas besoin de nous, donc on reste là. Moi, je vais juste les aider parce que moi, je suis trop fort. Vous voyez, je suis trop fort, je suis juste trop fort. Oh là là. Continuez donc à poster des commentaires, à dire ce que vous en pensez, à liker la vidéo. Plus vous likez la vidéo, plus ça veut dire que ça vous plaît. Donc, c'est tout simplement bien pour moi, quoi. Vous comprenez, j'espère. J'espère en tout cas la vidéo des 1 an vous a plu. En tout cas, moi, je me suis fait un vrai plaisir à la faire. Je pense que je le dis assez dedans pour que vous le compreniez. Surtout, il est déjà à pied, lui. Je t'ai sauvé la vie, mon pote. Ok, de l'ennemi à buter. Ah, ils sont là, là. Je sais pas. J'ai défoncé le cheval. Lui, j'aimerais bien le voir. Ouf. Voilà, Sir Stamar. Boum, boum, boum. Il l'a senti, mon épée, là. Je vais essayer un truc. Moi, je vais mettre en vue. C'est trop horrible. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah non, c'est horrible, je peux pas. Pas l'habitude. De toute façon, je crois que personne joue à l'intérieur. Donc... Allez, on se fait. En tout cas, c'est la grosse baston. Ça, c'est pas les petites bastons d'habitude, là. Là, il y a je sais pas combien de seigneurs. Il doit y avoir au moins 5. On pourrait même les faire plus, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Marche arrière. Bip. 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 Adios. Ah, putain, il s'est retourné. Attendez, on va faire un truc. On va rapprocher nos hommes. On va le mettre genre là. Et nos archers, on va les mettre pile sur la colline. J'espère qu'on aura pas trop de pertes à cause de ça. Je suis à 207 de maîtrise d'armes humaines, c'est pas mal hein. C'est pas mal. Du tout, ça commence vraiment à être bien. Oh putain. Alors attendez. C'est quoi déjà? Oh putain, voilà. je voulais réparer la vie de mon cheval. Petit contre-lâche. Je récupère un bouclier. Ah, un cheval dans le coin là. Ah, j'aime pas parapluie. J'aime pas parler de chevaux, j'ai dit. Oh là là, mais je vous jure, moi ça va de pire en pire. J'aime pas ne pas avoir de cheval. Voilà ça. Parce que j'aime pas ne pas avoir de chevaux, ça veut pas dire grand chose. Surtout si c'est mon cheval à moi, j'en ai pas plusieurs. Pourquoi j'ai des chutes de FPS? C'est normal là? Il aime pas quand je suis à pied? D'avoir du monde sur la bataille? Non, c'est bizarre. C'est pas normal. Oh là 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 là. Je suis à 50 fps mais il y a des petites chutes des fois. Qui ne sait pas pourquoi.
bon. Oh, il y a un cheval, mais je peux pas le monter celui-là, je crois. Ouais, je suis trop pétant, c'est qui t'a trop fait. De toute façon, on a gagné. On a gagné. Il n'y a aucune perte, donc c'est parfait. Il nous reste des soldats à buter. Je pense qu'après, ce sera la fin de cet épisode. Ouais, ce sera la fin. Donc, on va essayer de jouer plutôt stratégique. Genre, mes archers là. Et mes hommes là. Où qui sont les ennemis? Ils doivent être derrière la colline. Vous allez voir, je vais arriver juste sur la colline là. Ils vont me surprendre. Wow, 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 wow. On se casse, on se casse, on se casse, on se fait tirer dessous. On va rester avec eux, mais attendez. Ah, mais je les commande tous là, non? Ah non, c'est c'est non, c'est pas chasseur de primes. Il doit y avoir le général dans le coin. Non. En tout cas, ils ont des Toscarles aussi. Hein. Je sais pas qui est-ce qu'il y a avec moi là. Je crois qu'il y a Sir Aedin et puis d'autres. Tire à la tête, putain. Tire à la tête, 0 points de dégâts. Je suis meilleur à l'arc, hein. Je touche. Allez, on va les défoncer. C'est parti, on charge. Charge ratée. Je lui ai mis quand même 31 points de dégâts au cheval, mais c'était pas le cheval que je visais. Hein. Ah, j'arrive pas à voir les cavaliers, ça me saoule. Les soignants sont vraiment chiants pour ça, quoi. Il y a vraiment que de la cavalerie. J'ai réussi. Lui, j'ai bien fait mal à son cheval. Et on l'a bien défoncé. Lui aussi, son cheval. Hop, il met son bouclier. Hop, on a buté. Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle du boulot. Et du bon boulot. J'en marque qu'en ce moment, je vous fais des épisodes de plus en plus longs. Faut pas que ça, cesse. Ça va être surtout en période de vacances. Vous avez peut-être pas... Vous avez peut-être autre chose à faire, donc les formats longs. Pas forcément ce qu'il y a de mieux, je pense. En tout cas. Ah, tchè, tchè, tchè. C'est drôle parce que j'ai un post sur les youtubeurs. Un mec dans les commentaires, je sais plus qui c'est, mais qui dit ah, je sais pas comment vous faites les youtubeurs pour pas pour jouer que deux fois par jour à un jeu ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en dehors de YouTube, on joue quand même. C'est pas parce qu'on a YouTube qu'on ne joue pas. Et ça ne nous empêche pas, bien sûr, de jouer en dehors. Hein. On a nos parties perso. On... Enfin bon, ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. Au départ, j'ai eu du mal à comprendre. Je me dis, mais c'est vraiment de ça qu'il parle. Puis j'ai fait lire par plusieurs personnes. Et apparemment, tout le monde a compris la même chose. Donc je pense que c'est ça. Voilà. Qui fuit là-bas, je pense qu'on n'arrivera pas à le rattraper. En tout cas, voilà, cet épisode aura bien duré. J'espère qu'il vous a plu. On a affronté de grosses, 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 grosses armées. Mais vraiment, de grosses armées. Victoire. Et ça fait plaisir, ça devient vraiment jouissif d'avoir d'autant d'ennemis à buter. Ouais, je vais faire ça hors caméra, ça sert à rien. Il reste 29 soldats. J'ai pas envie de perdre d'hommes, donc je vais le faire quand même. Mais bon, voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, cet épisode. Et commentez, likez, tout ça. N'oubliez pas le site TechureTime.fr pour les nouvelles actus sur les jeux vidéo, les streams et tout ça. Bref, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.